Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Last of Us. Donc on est en train de s'enfuir là avec la gamine. Parce que dans la dernière vidéo, bah, vous avez vu, on a perdu notre compagne. Donc la gamine arrive à... Elle arrive à respirer là-dedans, hein, quand il y a des spores là. Ça lui pose aucun problème. Nous, on est obligé d'être au masque à gaz. C'est vraiment super bien retranscrit. Ah merde, elle sait pas nager. Ah. On va trouver. D'accord. C'est vrai qu'elle sait pas nager, elle. Bah, fais demi-tour. Mais qu'est-ce qu'elle me bloque? Allez, bouge. Et par là. C'est vrai qu'elle sait pas nager. Ah, c'est pas mieux. Ah, d'ailleurs, elle a pas suivi, hein. Elle est où la gamine? Par où on sort de ce truc? Quelle ambiance de dingue. Bon, on peut pas passer par là, les gamines. Du coup, par où tu veux qu'on aille, là? Moi, je veux bien que tu sais pas nager, mais... C'est quoi ces trucs, là? C'est dégueulasse. Bah, par où on passe, du coup? Mademoiselle, je ne sais pas nager. Par là on peut pas. Oh, c'est quoi le là? Bah, je sais pas par où passer du coup. Elle sait pas nager. Moi je veux bien qu'elle sait pas nager mais... Ah peut-être par là. Ah peut-être par là. Ouais. Quelle ambiance de ouf. Ouais. On est bloqué là, gamine. Rien faire ici, moi. Pour plonger. Pourquoi tu veux que je plonge là-dedans? Ah. Ok. Elle est. Je vais bien. Ah, elle est passée, d'accord, ok. D'accord.
Oh, l'angoisse. Hé, hey, regarde, elle marche. Quoi? Ton contact là, du nom de Frank, c'est le mec de l'extérieur avec qui j'étais en affaire. Il veut rentrer dans la ZU de Boston, retrouvé à la sortie du métro de Park Street, juste à côté du Capitole. Si je vois son visa et ses papiers ZU, admire le travail. Fais attention, là-bas d'autres gars à moi ont signalé des claqueurs et des rôdeurs. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Ça fait 2 heures que je l'attends à me faire dessus, je suis sûr. Je vois des trucs bouger dans l'ombre comme si un rôdeur allait me sauter dessus d'un moment à l'autre. Je lui laisse encore 15 minutes et je me casse. Ok. Donc qu'est-ce qu'elle a raconté, elle? Oh, j'aime pas du tout cette ambiance là. Non, non, je vais pas te laisser. Non, non. T'es où, t'es où, t'es où? Ok, ok. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle regarde un truc là. Ah, il y a un truc là, d'accord. Il y a une échelle. On peut essayer ça. Tiens-toi prête. Que moi je monte comment là? On m'a demandé de secouer la manette tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose dessous? J'ai pas l'impression. Ah, il y a une planche là. Avec ça, je vais essayer de la mettre là où il y a l'échelle. Je ne sais pas. Attends, je vais aller la chercher, la fille, en fait. Tourne-toi, tourne-toi. Tu peux venir là-dessus? Saute. Sérieux? Oui. Allez. Allez. Bouge pas. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Là. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Et moi? Ah ouais, j'ai peur. Je veux dire, elle va se barrer l'autre. Hein. C'est bon. Thank you. Allez, monte. Bah, monte. J'aimerais bien sortir de là. J'aime pas du tout être ici. Tire-moi d'ici. Oui, c'est ce que je dis. Ah, les escaliers qui montent. Ah oui, le bonheur. Ah, l'air libre. Ah oui. Ah, c'est beau. Écoute, à propos de Tess,
Je sais même pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord, avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. Waouh. Quoi? Rien, c'est juste que... C'est beau? J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Alors, Ah si, j'allais dire, je peux pas courir, là? Pourquoi tu me ramènes pas à Marlène? Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Écoute, je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton ami n'avait pas de grande chance de s'en tirer. Elle est pas du tout jeune. Peu importe. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution. Regarde. Quoi? Des lucioles. Enfin, de vraies lucioles. Ouais, je vois ça. Désolé. Ah, non. Cul-de-sac. Ah, il y a un truc là. Pour franchir les trous. Quel trou? Je sais pas où j'ai avec ma planche là. Bon, pardon, je passe par là. Je cherche un trou pour poser ma planche. Qu'est-ce que je peux faire avec cette planche? C'est une blague. Vous me croyez si je vous dis que je sais même pas la poser? Ok. Je sais pas quoi faire avec cette planche. Donc on a une planche. Normalement c'est pour franchir quelque chose. D'accord. Ok, j'ai compris. Est-ce que je vais pouvoir la poser ici? Est-ce que je vais pouvoir la monter une fois que je serai là-haut? C'est ça le... Ouais, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas monté. C'est quoi ce truc? Ah ouais, d'accord. T'avais vu le truc, un peu? Voilà, et là la planche, on va la poser ici. Voilà. Non mais... Mais sérieux? Recule. Voilà. Allez?
Place-la, ma planche. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... Allez. Non. T'es pas sérieux, mec. C'est une blague. C'est parti. Eh, c'est limite quand même. Hein. C'est toi, Bill. Vous vous retrouvez où d'habitude? Hein? Ça dépend. T'es jamais venu ici, hein? Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... Non, personnellement, j'étais encore jamais venu. Et cette fumée, tu crois que c'est lui? Il y a plutôt intérêt. Bon, on va aller vérifier alors. Ah, la fumée, alors, d'accord. La fumée, la fumée. Allez. Par ici. Regarde où tu vas, la chute est raide. C'est quoi? C'est quoi? Un ballon. Un ballon de basket. Par là, ça passe pas. N'approche pas. Par ici. Waouh. Ça fait peur, lui. Les trucs là, loot. Pourquoi elle souffle? Tu te sens bien? J'essaie d'apprendre à siffler. Tu ne sais pas siffler. Est-ce que j'ai l'air de savoir siffler? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? J'ai vu un truc là. Pilule. Hop, pilule. Lire. Rappel, récupère plus de pilules, voir si je peux grappiller quelques balles de plus. Je n'ai que 3 semaines avant les prochaines livraisons. D'accord. Ah, il y a des trucs là. Mais il y a plein de trucs. Ah, maintenant ils sont. Je suis à plein. Seulement, je peux peut-être confectionner, hein, je sais pas quoi là. Ah, en fait, il faut être à des endroits bien précis. Ok. Où est-ce qu'on est, là? Mais attendez, on est revenu à la cabane de l'autre, là. D'accord. Donc, il faut qu'on passe tranquille. J'en ai entendu un autre. Oh putain. Est-ce qu'on essaye de le... de lui faire une phase? Pas bouger ce poulet. Ah, mais je peux pas passer par là. Attendez, on peut pas passer là. Qu'est-ce que c'est que ça? Par où on peut passer? Putain, j'ai eu les boules. Attends, c'est pas fini. Attendez, je sais. Je vais essayer un truc. Pourquoi? Pourquoi on rate? Bon.
Bonjour la discrétion. Fais chier. Bah ouais, fais chier, tu m'étonnes. Bah surtout qu'on peut pas passer quoi. Ah peut-être par là. Ça me sert à quoi ça? Ah ça part. Ouais. Fais un peu de parcours, ouais, je tranquille. On va essayer les escaliers là-bas. Ah t'as des trucs là. Je pense que c'était. Bah non, les escaliers, ça mène nulle part. Est-ce que nous ne serions pas un petit peu bloqués par ici? On peut rien faire. Non, descend, on peut rien faire. Descends, je te dis. Ah, ça c'est pénible. Quand t'as fait ça, c'est pénible. Ok. Bah du coup, on sait quoi? On se fait un basket. Peut-être sauter ce truc là, c'est du jaune. Ah mais il y a une porte là. J'avais même pas vu la porte. Sur un. Oh merde, c'est bloqué de l'autre côté. Vas-y, saute. Allez, fais-moi monter. Bah oui. Non, c'est pas une bonne idée. Si? Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux ouvrir sinon? C'est une bonne idée. Allez. Ok. Donne ton pied. Contente-toi d'ouvrir, rien de plus. Ça marche. Confiance règne. Attention. Ok. Allez, ouvre. Ah, voyons. Ok. Tadam. Bien joué. Merci. C'est quoi ça? Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après? Eh ben, elle est où la fumée? Elle est là-bas. Retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère? Et surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Est-ce qu'on pourrait tout fouiller là ou on... Ok. Il nous reste plus beaucoup de temps pour ça. On va foncer une voiture. Évacuation obligatoire. Tout a l'air fermé. Hein. À ton avis, la zone de quarantaine. Certains endroits ont eu un peu de temps pour se préparer avant que l'infection leur tombe dessus, mais c'était rare. Ça doit être dur de devoir tout abandonner derrière soi comme ça. C'est pas ça, putain. Les balles, les balles, les balles. Ça n'a pas l'air d'être par là. Allez, pousse-toi, gamine. Mais j'ai cru que tout était bloqué là. Hein. Non. Regardez, c'est bloqué là. Ouais, c'est Bill qui a bricolé ça. Quelqu'un d'autre vit ici à part lui? D'après ce que je sais, il est seul. Ouais, mais comment on passe du coup? Ouais, il est gentil, Bill, mais... Bob, je ne quitterai pas la ville sans ce coffre. Aide Brad à le charger dans le pick-up et au cas où il faudra l'ouvrir, la combinaison est 5-17-21. Donc il y a un coffre quelque part. Et on a la combinaison, du coup. Par contre, on n'a pas la solution pour passer. Le mec s'est barricadé de ouf quoi. Ah, il y a un passage là, non? On va essayer de passer par là. Je ne vois que ça. Non, Dieu. Wow. Attends, mais qu'est-ce que c'était ça? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Il est pas un peu parano, ton pote? Ah, t'imagines pas à quel point.
Bon, y a du loot là déjà. Qui c'est ce type au juste? En fait, il nous a aidé à introduire des trucs en ville, disant que il est capable de trouver n'importe quoi. Oh, y a des fils. Ok, non, y a des fils. On finira pas en miettes en cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Il y a des fils de partout. Allez, on va la mettre par-dessus là. Voilà. Allez, place là. Alors là, c'est ça qui est chiant. Et si je suis pas. Je suis pas là où il a décidé. Ben, ça le fait pas quoi. Non, mais c'est là que je voulais la mettre. Allez, monte. Voilà. Oh, sympa ça. Un arc et des flèches. Hey, regarde ça. Bah, c'est cool ça pour discrétos. Je suis assez doué pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Je préfère pas. Elle a pas vraiment tort non plus quoi. Alors, des fois c'est croix, des fois c'est triangle. La voie est libre, monte. J'arrive. Sauter là ou... Oh, merde. Bill, il est gentil, mais... pas monter. Y'a rien avec ça. Y'a rien avec ça. Ouais, comme tu dis, ouais. Je peux pas sauter. Qu'est-ce qu'elle regarde? Je peux pas monter là-dessus. Oh! Il me faudrait une planche. Ou l'échelle. Ah, je vais aller chercher l'échelle. Oh. Est-ce que je peux ramener l'échelle là? Oh, il est ouf. Lui. Ah, il y a une planche là. Tiens, on a qu'à se servir de ça. Voilà. Pose là. Place là. Place là. Voilà. Alors, où est-ce qu'il veut exactement que je mette cette planche? C'est ça qui va être galère à trouver. N'est-ce pas? Ici, là. T'es pas sérieux, mec. En fait, il faut trouver l'endroit exact. Donc, je suppose que je vais encore avoir besoin de cette planche. Oh merde. Il y a un claqueur. Donc soit on continue avec la planche. Est-ce que je pourrais le tirer à l'arc? Essayons cette petite merveille. Pas mal, j'aime bien. Bon, écoute, il descend. Qu'est-ce qu'il fait? Plutôt le genre de gars instable, tu vois. Alors, une fois là-bas, laisse-moi lui parler. Je peux récupérer ma flèche. Compris. Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes. En fait, j'ai fait tout ça pour ça. Les étrangers. D'accord. Bill est un type. J'ai bien vu ça, donc je l'ai tué. Il faut un peu de temps pour s'habituer aux gens, c'est tout. Je sais pas s'il fallait que j'amène la planche. Apparemment non. Ah, il y a un fil.
Faut se baisser. On passe dessous. Tu vois ce fil barbelé? Reste en dessous, ok? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche. Et les bruits? J'ouvre ou j'ouvre pas? T'as entendu? Ouais. Je crois qu'on va pas avoir le choix. Ouais, bon, on n'a pas le choix. Merde, tu vas y aller? Ouais. On va voir ce qu'on peut trouver. Tu trouveras mon cadavre quand je serai mort d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Je m'en occupe. On n'a pas le choix. Pourquoi t'as pas tapé? Bon, pendant qu'on est là, on devrait fouiller cet endroit. Et en plus, il y a des trucs bien, quoi. Les seuls avant de porte en porte est obligé. T'es en train de te retrouver là, d'accord. J'ai jeté le gros de nos affaires dans deux valises. D'accord. Tu crois qu'ils se sont retrouvés? Comment je pourrais le savoir? En tout cas, j'aimerais bien. D'accord. Alors, c'est sympa, mais ça nous aide pas. Ok. Bon ben, on va s'arrêter là. Malheureusement, j'espérais trouver le bonhomme avant, mais je sais pas par où passer. Du coup, comme on est déjà à 30 minutes, non, on peut pas aller par là. Ah si, un chemin là. Merde, regarde ça. Ok, il y a un piège. Bah, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, vous me lâchez un gros pouce bleu. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde.